J'accueille Ghislaine Villeray. Bonsoir. Alors, Ghislaine Villeray, vous êtes la sœur de Jacques Villeray. Et vous avez été choquée par le livre de son ex-femme, Irina Villeray, que nous avons reçu ici le 24 septembre dernier, Magnéto Serge. Vous faites connaissance, il vous invite à son one-man show, et après le spectacle, il vous invite à dîner, et il vous révèle sa blessure, en fait, c'est-à-dire son père algérien. Ce soir-là, au fil des vers, le personnage s'assombrit, il finit par vous dire qu'il n'est pas programmé pour vivre. Vous en déduisez quoi ? Bah, ça m'émeut, évidemment, j'entre immédiatement en compassion. Quand il a bu, il vous fait peur ? Ben oui, ça fait peur parce que quelqu'un qui boit, quelqu'un qui est sous l'emprise d'une drogue, il n'est plus tout à fait lui-même. Et il y avait ces espèces de crises qui pouvaient ressembler à des déliriums très minces où tout d'un coup, oui, il y avait il était violent. Oui. Mais c'est vrai qu'il cassait tout, ça fait peur. Ça fait peur, il avait une double personnalité, Jacques. Et l'alcool lui réussissait pas bien, et ça le faisait pas bien voyager. Voilà, c'était dans Tout le monde en parle. Ça vous a choqué ce livre et cette interview aussi ? Tout à fait, je dirais même outré. Ouais. Parce que c'est présenter Jacques comme un monstre, ce qu'il n'était pas du tout. Vous saviez que ce livre allait sortir, Ghislaine ? Alors ce livre, je savais qu'il allait sortir, mais je ne savais pas qu'il sortirait si tôt. Puisque Irina m'a appelé après le décès de Jacques, donc même après l'enterrement, donc en février, pour me dire effectivement qu'elle voulait écrire un livre en hommage à Jacques et sur leur grand amour. Sur leur bonheur. Voilà. Et j'ai été stupéfaite parce que j'ai lu le livre. Ouais. Alors, elle vous a envoyé le livre avant qu'il sorte ? Moi, elle ne me l'a pas envoyé, mais elle l'a envoyé 2 jours avant sa parution à mes parents. Ouais. Avec une dédicace, avec toute mon affection. Bien sûr que mes parents ont été effondrés, ouais. Ce qui se comprend. Elle a pris contact avec vous depuis la sortie du livre, Irina Villeray ? Alors, elle a pris contact avec moi, elle est passée dans votre émission le samedi, elle m'a appelé le lundi. Ouais. Pour me demander si M. Hardisson m'avait contacté ou si je l'avais contacté, hein, par rapport à ce qui avait été dit. Donc, je lui ai raccroché au nez. Quand elle dit que votre frère n'était pas programmé pour vivre. C'est horrible. Parce que Jacques, moi je l'avais régulièrement au téléphone. Il était heureux, il avait plein de projets. J'ai passé Noël avec lui et mes parents. Il avait beaucoup, beaucoup de projets. Mais c'est vrai qu'il a eu une enfance quand même assez malheureuse, assez difficile quand même. Ah non, il n'a pas eu une enfance malheureuse. Il n'a pas été élevé par son père géniteur. Il a pu le voir parce qu'il voulait voir s'il lui ressemblait. Hein, donc il était allé en Algérie et il l'a vu, il m'a dit qu'il l'avait vu de loin mais qu'il ne lui avait pas parlé. Et il l'a vu une autre fois à Paris puisque son père était venu au théâtre le voir, mais dans la loge, pas voir le spectacle et, parce qu'il avait besoin que Jacques l'aide au niveau financier. Ouais. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il adorait mon père. Et quand elle dit que Jacques Villeray a appris que son père, enfin Raymond, n'était pas son vrai père, elle dit qu'il l'a appris à l'école. Alors non, ce sont mes parents qui lui ont expliqué et il avait à peu près 7 ans. Donc c'est eux qui lui ont expliqué, tous les deux. Mais pourquoi elle dit qu'il l'a appris à l'école ? Ça, vous savez, je ne peux pas vous répondre parce qu'elle dit beaucoup de choses qui ne sont pas... Non mais quel intérêt elle a à dire ça ? C'est pas... Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. En tout cas, elle a un livre, elle a écrit un livre, elle a un livre à vendre, donc il faut bien le remplir, ce livre. Quand elle dit que Jacques a été enfoncé par son entourage, vous l'avez enfoncé, vous, votre frère ? Ah non, jamais, non. Non, non. Non, la seule chose qu'il y a eu, c'est effectivement, Jacques a été un moment où on a été un peu sans se voir, parce qu'on l'avait fait hospitaliser, parce que sa santé se dégradait, puisque, effectivement, c'est pas un scoop hein, qu'elle révèle. Jacques a beaucoup bu, mais surtout au moment du divorce, parce que ça a été vraiment une épreuve atroce pour lui, vraiment. Et moi, je sais que je l'avais des nuits entières au téléphone où il ne comprenait pas. Lui, ce qu'il me disait, c'est comment j'ai pu vivre 20 ans à côté d'une femme
qui m'a tout pris, qui m'a tout... Mmh. Ce sont ces termes, hein, je le... Voilà. Ouais. Non, elle dit que Jacques a été enfoncé par son entourage, parce que par exemple, quand il venait chez vous, il paraît que c'est vous qui lui proposiez de boire des apéritifs, oui, de boire de l'alcool. C'est ce qu'elle dit, hein. Oui. Alors qu'elle, au contraire, essayait de le retenir. Non, mais pas du tout. Moi, vous savez, j'ai vécu des temps chez eux, hein, puisque j'ai vécu un moment à Paris. Je l'ai vu des fois où elle cherchait à énerver Jacques, où elle lui disait, allez, bois et énerve-toi. Ouais. Moi, je l'ai vu. Donc, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il la battait ? Non. Non, alors ça, je peux dire que c'est complètement faux. Non, Jacques, comme beaucoup de gens, quand il avait bu, pouvait être agressif verbalement. Ouais. Mais comme il avait pu le faire à certains moments, quand moi, je l'avais au téléphone, à côté de ça, ça devenait, si on ne rentrait pas dans son énervement, ça devenait très théâtral. Ouais. Je veux dire qu'à la limite, moi, je finissais même par en sourire, en me disant, bon, demain, ça ira mieux. Et bon, c'est le moment... Ouais. Quand elle dit que Jacques Villeray lui devait son succès, bah, je pense que Jacques avait suffisamment de talent pour arriver au succès qu'il a connu tout seul. Vous pensez qu'il y serait arrivé avec n'importe quelle autre femme ? Bien sûr, bien sûr. Dès l'âge de 8 ans, il voulait être acteur. Ouais. Donc, il vivait que pour ça, Jacques. Est-ce qu'il l'aimait vraiment, lui ? Ah oui, 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 bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été si effondré à un moment du divorce. Ils ont divorcé, pourquoi ? Mais parce que un jour, Jacques est sorti de chez lui et il s'est trouvé nez à nez. Lui, il ne s'occupait pas des papiers. Et il s'est trouvé nez à nez avec un huissier qui a amené un recommandé, avec une dette d'impôt importante. Donc, il a demandé, il a dit à Irina, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça ? Et elle lui a dit, t'inquiète pas, les impôts, ils font des erreurs au niveau de l'informatique. Ouais. Et puis, forcément, lui, il a été se renseigner. Et là, il a compris que non seulement les impôts n'étaient pas payés, mais l'argent n'était plus là non plus. L'argent n'était plus là pour payer les impôts. Non. Et lui, ce jour-là, il a décidé de divorcer. Bah, c'est-à-dire qu'il a été un petit moment où il n'y croyait pas. Il nous appelait en disant, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Il y a autre chose, j'y crois pas. Et puis, il s'est rendu compte qu'effectivement, hein, après toutes les démarches, que c'était bien la réalité. Mmh. Et là, il s'est effectivement effondré. Oui. Qui a ruiné l'autre ? Parce qu'elle, elle dit que Jacques Villeray l'a ruiné. Ce que vous sous-entendez, c'est l'inverse. Ben oui, c'est-à-dire que je crois qu'elle l'a ruiné effectivement parce que Jacques a quand même toujours travaillé. Donc je pense qu'on sait qu'un acteur comme lui qui travaille 30 ans de sa vie se retrouver sans rien, c'est un peu surprenant. Alors que Jacques ait dépensé de l'argent, c'est bien normal, il en gagnait. Hein, parce qu'elle peut aussi dire ça. Mais à côté de ça, il aurait dû lui en rester beaucoup. Et ça, il a recherché, il ne comprenait pas. Elle perçoit de l'argent quand il y a des films de Jacques Villeray qui passent à la télévision ? Alors moi, je ne suis pas trop au courant, mais je crois qu'elle perçoit toujours, oui. Je crois. Pourquoi elle a fait ce livre d'après vous, Ghislaine ? Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien parce que moi-même, j'étais surprise. Hein. Mais non, je trouve que c'est le salir. Et bien sûr, il n'est plus là pour répondre. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que vous venez à la télévision aujourd'hui ? Tout à fait. Tout à fait. Pour défendre la mémoire de votre frère. Tout à fait, parce que nous, on est des gens très discrets et autrement, je ne l'aurais pas fait. Mais là, je trouve que ça va un peu trop loin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Irina Villeray ce soir, Ghislaine ? Simplement qu'elle cesse. Elle cesse parce que sinon, effectivement, peut-être qu'on ne se contentera pas des médias. Vous l'attaqueriez au tribunal ? Pourquoi pas ? Je sais pas. Si elle veut aller beaucoup plus loin, oui. Merci de votre témoignage, Ghislaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.